Il est 6h30 du mat et je suis tout seul. Bizarrement, ma sœur n'est pas venue. Étrange. Et ce matin, l'objectif, c'est d'aller choper des petits oiseaux ou des bestioles, prendre quelques photos, faire un coup de drone aussi. Pourquoi pas, dans la campagne indienne. Pour le moment, ça ressemble plus à un échec qu'à autre chose. Je me suis même pas tapé un petit lever de soleil. Rien, rien, nada. Est-ce que la feignasse s'est levée ? On va voir. Pas du tout. La feignasse est réveillée. Moi, je vais faire mon sac. Please, abandonne. Alors en fait, ici ils portent le sac des hommes uniquement. Bon. Allez, porte. Ma sœur se plaint, mais quand je veux le prendre, elle dit non. Après 3 minutes de route et 200 coups de klaxon, on arrive au ferry. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de ferry. Par contre, il y a nos voisins de chambre qui sont là. Et j'espère qu'ils rendent la monnaie parce que 500 roupies, c'est un peu trop. Ah, qui est mieux. Notre ferry arrive. Il a fait sa bonne action de l'année. Hi friends. Les gens ils vont rentrer sur le toit là, je pense. Notre grand-mère qui avait fait deux grands voyages en Inde, un jour elle était justement dans un bus bondé et je crois qu'il y a quelqu'un, enfin plusieurs personnes qui avaient escaladé pour être sur le toit. Il y a un homme qui est tombé, mais tout son corps est tombé, sauf un de ses doigts. En fait, le doigt était littéralement resté accroché au bus, avec le tendon et tout ce qu'il y a dans les doigts, j'imagine. Et grâce à ma grand-mère et sa copine avec qui elle était, elles ont récupéré le doigt. Et si je suis pas en train de fabuler, elles ont trouvé de la glace et elles ont mis le doigt du mec dans de la glace. Et grâce à elles, je crois qu'il a pu se faire recoller son doigt. Voilà. Moi, je ne ferai pas ça. Hein. Je tomberai dans les pommes en voyant le doigt et voilà, il s'émerdera. Donc, il y a petit home tour. Pas mal du tout. À une minute de la plage. Par contre, faut que je bosse, je suis méga labour. Et après, c'est une licence à vie. Tu peux l'utiliser pour tous tes clients, il n'y a pas de soucis. Allez, on va manger. Ah non, j'ai pas la même, mais j'ai trop faim. Le gars de notre guest house nous a recommandé un restaurant noté 5 sur 5, végétarien. Et on y va, sauf que là, il pleut. J'ai pas de kawaii, moi. Que les vrais backwater, c'est ici? Ouais. Je pense que n'importe quel indien dit que les vrais backwater, c'est chez lui. Bon, restaurant intéressant. Trop beau. Premier truc qu'on nous a demandé, c'est allez vous laver les mains, on n'a pas eu le choix. On nous a escorté à la salle de bain. Ensuite, on nous a amené à la table et ils ont dit assis. Donc on s'est assis. Il passe le permis ici. Il doit apprendre à doubler sur trois voies, à klaxonner aussi. Téléphone, voilà, là. J'achète tout ce qu'il faut pour survivre le mieux possible. Et Nola ? Avec ça va le chocolat. Hé hey Nola ! Putain. A priori, un train a tué quelqu'un là. Après le signal là-bas. C'est pour ça qu'il y a plein de gens dessus et qui regardent. On ne va évidemment pas aller voir. À mon avis, c'est dégueu. Mais ils étaient tous en train d'aller voir. Hier, on a compté les barreaux du lit parce que Nola, elle prenait toute la place.